Allez, on se retrouve, chers amis, dans les airs, puisque pour l'instant, il ne pleut pas encore, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Dans les airs, ils sont 6, ils sont là juste devant. Quel beau plan magnifique pour débuter ce TNC Hashtag 3, la troisième étape du grand, du trophée national du cross 2023. Et ils sont en direct et on vient de s'élancer pour le grand cross d'hier, de Leninière, le grand cross Haras du Lion. Génibette, ils sont donc 6 au départ. Il y a 6000 mètres à parcourir. C'est un tracé donc assez difficile, c'est-à-dire qu'il est, il est technique, très vallonné, même si la piste est plate. Il y a des trous, des bosses, et en tout cas, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Le favori, le cheval blanc, presque gris, Bel Homme de Juillet, facile à reconnaître. Il est ici en 3e position. Qui est en tête? C'est le numéro 3, Bingo Delaunay, un cheval très expérimenté, monté par Thomas Borin, qui a choisi de prendre l'avantage. 2e place pour le numéro 2, il s'agit de Funky du Mestivel, monté par Romain Julliot. 3e, Bel Homme de Juillet. 4e place pour le 4, Amou King. 5e, le 6, Galante d'Artel avec Félix de Gilles. Et en dernière position pour l'instant, Gaz-Gaz, le numéro 1, monté par Arwan Bureller. Alors là, ils sont à l'inverse de la corde habituelle, c'est-à-dire qu'ils sont dans ce qui sera tout à l'heure le dernier tournant, mais ils sont partis en sens inverse. Ici, un talus que tous les chevaux... Oh, ce sont des chevaux qui sont très expérimentés, hein, parce que même si le moins expérimenté de la course en cross est Gaz-Gaz, il est en dernière position qu'il a couru deux fois en cross, mais enfin, il a gagné en steep la peau. Autant dire que ce n'est pas les obstacles qui vont lui faire peur, ce pensionnaire de Nicolas Delagenette. Bigot de Launay qui gambade en tête pour l'instant, très tranquillement, monté par Thomas Borin, 2e place pour Bel Homme de Juillet. Premier obstacle véritablement de cross, on sort de l'hippodrome, on quitte la ligne d'en face et on va sauter le trou à bord franc dans ce sens-là. Tout à l'heure, on le sautera dans l'autre sens. Alors là, on a des vues exceptionnelles puisqu'on est tout à fait de l'autre côté de l'hippodrome, de l'autre côté de la ligne d'en face. Il y a des vaches qui regardent gratuitement, en plus de ça, le spectacle. Ici, la banquette, Bel Homme de Juillet en 2e position. Derrière Bingo Delaunay, ah, Gaz-Gaz qui s'est montré un petit peu hésitant en descendant la banquette. 3e place pour Funky du Mestivel. Ici, le guet, l'un des deux guets, parce qu'il y a deux guets en fait. Il y en a un à l'extérieur de l'hippodrome et puis un autre à l'intérieur. Et on enchaîne sur un open ditch. Ah, Gaz-Gaz qui est un petit peu... il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas comme d'habitude. Alors, nous avons ici toujours Bingo Delaunay, numéro 3 en tête. 2e place, Bel Homme de Juillet, Funky du Mestivel. Amo King, le numéro 4, avec cette casaque blanche et bleue. 5e, le 6, Galante d'Artel avec Félix de Gilles. Et Gaz-Gaz, que son jockey Erwan Bureller a choisi de remettre dans le peloton pour leur mettre un peu de l'avant, pour leur mettre dans le match, comme on dit. Voilà, on va revenir devant les tribunes. Bigot de Launay, Bel Homme de Juillet. Voilà, on passe devant les tribunes, assez bien garni aujourd'hui. Funky du Mestivel, I'm Walking, Gaz-Gaz, Galante d'Artel. Là, on va sauter des obstacles de steeplechase. Là, on part en fait dans le sens inverse. Dans quelques minutes, les chevaux courront dans l'autre sens. Ce sera la dernière ligne droite. Et là, on va sauter ce qui sera tout à l'heure la dernière haie. Donc une simple haie. Il faut se méfier des simples haies, des fois. Vous savez, les choses qui sont simples. Enfin, pour l'instant, les 6 partants sont très, très groupés. Là, ils sont en 4-5 longueurs. Bingo de Launay, toujours Bel Homme de Juillet, Funky du Mestivel, I'm Walking, Gaz-Gaz, Galante d'Artel. Alors là, on pique à droite, on va revenir sur un parcours de cross avec ce qu'on appelle le toboggan, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça redescend, et puis bon, bah, à un moment, ça redescend, hein, évidemment, mais voilà, là on descend, toujours avec Bingo de Launay devant Bel Homme de Juillet, Funky du Mestivel, I'm Walking, un obstacle ici, Gaz-Gaz. Et Galante d'Artel, pour l'instant, aucun incident à déplorer dans cette épreuve. Je vous rappelle qu'ils sont 6 partants, des chevaux très expérimentés, des chevaux d'âge et des jockeys, eux aussi, tout à fait expérimentés. Nous avons certains des leaders de la discipline ici, avec Thomas Borin, Romain Julliot ou Félix de Gilles, Sicarwan Bureller. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser la piste de trot. Et on va sauter le guet ou, je ne sais jamais, le chapeau de gendarme. Non, d'abord, ce sera le guet. D'abord, ce sera le guet, l'un des deux guets. Tout à l'heure, on a sauté le guet de l'extérieur de l'hippodrome. Là, on saute le guet de l'intérieur de l'hippodrome. On pique à gauche pour aller chercher le chapeau de gendarme, qu'on va sauter deux fois. Là, c'est la première fois qu'on saute le chapeau de gendarme. Là, on s'est rapproché des tribunes. L'ordre n'a absolument pas changé depuis le départ, puisque nous avons toujours... Et ça passe... Ah, Gaz-Gaz. Nous avons toujours, Bingo de Launay. Et Bel Homme de Juillet, sur lequel Bel Homme de Juillet, Jean-Stéphane Lebrun a choisi. Ah ben il prend l'avantage même, Jean-Stéphane Lebrun, à Bingo de Launay. Il est en selle, Jean-Stéphane Lebrun, sur le gris Bel Homme de Juillet. 3e position, toujours on fait un serfile, file d'attente pour Funky du Mestivel, avec Romain Julliot, I'm Walking, Gaz-Gaz, et Galante d'Artel, pardon, en dernière position, avec Félix de Gilles. Alors, la Baron A. Ensuite, nous avons. Alors, le trou au loup.
Hein, je cherche toujours les loups dans le fond du trou. C'est un peu comme à Strasbourg. Hop là, Galante d'Artel. Et oh, fais attention, Galante d'Artel, en dernière position. Et Bellum de Juillet, donc, cette fois-ci, a pris la tête résolument devant Bingo de Launay et Funky du Mestivel, I'm Walking, Gaz Gaz. Et donc, Galante d'Artel, qui pour l'instant n'a pas quitté là, trop la dernière place. La banquette, hop, 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 hop. Dis-donc, coquin, la banquette. Faut faire attention à la banquette avec Bellum de Juillet. Mais enfin, il est passé sans encombre. Il en a vu d'autres. Le Bellum de Juillet. Là, on va piquer à gauche pour revenir sur l'hippodrome avec le trou à bord franc. Bah, dis-donc, c'est un gros trou. Il est large quand même, ce trou à bord franc. Là, on revient sur la piste. On traverse la piste plate. On traverse la piste d'obstacle. Là, on pique à droite et après, on pique à gauche. Attention, il ne faut pas se tromper de parcours ici. Moi, je serais incapable de faire ce que font les jockeys. Là. Là, tu passes entre deux piquets. Là, tu vas chercher la biroute. Et là, tu prends à gauche. Ça glisse pas. Et là, hop, la butte d'Auteuil. Parce que la butte d'Auteuil, elle est faite sur le modèle de la butte d'Auteuil. Eh ben maintenant, on change de leader, dis donc. C'est Funky du Mestivel avec Romain Julio qui a décidé de prendre la tête à Bellum de Juillet. Du coup, Bingo de Launay se trouve en troisième position devant I'm Walking, Gaz Gaz. Tandis que, bon, Galante d'Artel, c'est pas son jour apparemment. Là, ça passe bien. Et en retrait, Galante d'Artel, non, je pense qu'il va arrêter Félix. Derrière, en tout cas, il va arrêter. Alors pour l'instant, on va approcher de la phase finale dans la course maintenant. Accélération de Funky du Mestivel, dis donc, avec Romain Julio, l'écurie Quinton, Patrice Quinton, qui peut peut-être faire le doublé, le jumelé, parce qu'il est deuxième aussi avec Bellum de Juillet, un sacré duel qui s'annonce. Alors que va faire maintenant, que va faire Bingo de Launay? Parce que du coup, en fait, Thomas Borin, il était parti en tête, il a repris, parce qu'on lui a voulu lui prendre l'avantage, mais du coup, il fait souffler, et peut-être qu'il garde du gaz pour la fin. Gaz, gaz, ça va être compliqué. Et I'm Walking, toujours pas quitté la quatrième place, mais bon, il se dit, attends, je vais faire la petite crevée. On ne sait jamais, je vais peut-être pouvoir finir par prendre un lot. Tout l'instant, Funky du Mestivel qui accélère gentiment, pas gentiment d'ailleurs, qui accélère et qui essaie de décramponner Bellum de Juillet. Mais Bellum de Juillet, il a du gaz. Ouh, le gris, il a du gaz en deuxième position derrière Funky du Mestivel. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bingo de Launay, pour l'instant, il a 3-4 longueurs de retard. Est-ce qu'il va réussir à raccrocher les wagons? Tandis qu'en cinquième position, on a Gaz Gaz qui va essayer de prendre une allocation en cinquième place. I'm Walking semble très sollicité. En troisième position, est-ce que Thomas Borin a du gaz sur Bingo de Launay ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Donc pour l'instant, ça risque de se jouer plutôt entre Funky du Mestivel avec Romain Julio et Jean-Stéphane Lebrun en selle sur Bellum de Juillet qui porte la GoPro magique. Bingo de Launay n'est pas complètement battu. Il est quasiment sûr d'être troisième. Peut-être va-t-il pouvoir rattraper une place dans les deux premiers. Il est encore à portée de fusil. Mais c'est toujours Funky du Mestivel qui, dans le dernier tournant, est en tête, poursuivi de très très près sur son porte-bagages. Il a le redoutable finisseur en plus de ça, Bellum de Juillet. Et Bingo de Launay qui retrouve un deuxième souffle, contrairement à moi. Et oui, qui vient se raccrocher, mais il ne parvient pas encore à venir au basque de Bellum de Juillet qui a pris cette fois l'avantage à Funky du Mestivel, troisième Bingo de Launay, I'm Walking qui regagne quelques mètres maintenant. Bellum de Juillet, ils sont désormais dans la dernière ligne droite, la dernière. Oh là 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 là, Bellum de Juillet! Ah là 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 là, Bellum de Juillet! Oh quel drame, une chute à la dernière haie. Et du coup, c'est Bingo de Launay qui repart! Bingo de Launay qui repart et qui s'impose sous la selle de Thomas Borin. Funky du Mestivel va être dans troisième, puisque c'est I'm Walking qui termine deuxième, troisième Funky du Mestivel. 3, 4, 2 pour l'arrivée de ce grand cross de Lignières. Oui, tandis que ouf, nous avons Gaz Gaz qui termine en quatrième position. Et je vous rassure, mesdames, messieurs, j'aperçois debout Bellum de Juillet qui est littéralement écrasé à la dernière heure, mais qui s'est relevé immédiatement. Allez, on va atterrir et on va se retrouver pour l'interview du magazine.